alors les gars, le plan, c'est que vous allez rester à l'écurie. On se revoit dans 2 mois. Tranquille, box la nuit, pré la journée. Ça vous va comme planning? Allez, à bientôt. Bon alors, écoute mon grand, là on va subir quelque chose qui s'appelle le confinement. Ouais. Donc maman, elle peut plus aller travailler, je suis bloquée à la maison, donc on va se voir matin, midi et soir pendant 45 jours. Ouais. Fais-moi des bisous pour l'instant, je te garantis que dans 1 mois et demi, t'auras envie de me latter, tu pourras plus voir ma gueule. Allez, profite-moi, ça va être sympa. Je t'aime aussi. Emmenez les chevaux au pré, montez, emmenez les chevaux au paddock, rentrez les chevaux du paddock, curez les pieds, desseller, graisser, mettre un coup de brosse, faire les box. Ah bah en tant que cavalière pro, c'est sûr que le confinement c'est assez embêtant dans le sens où il n'y a plus de concours tous les dimanches, mais l'avantage c'est que ça me laisse 1 an en plus de préparation pour les JO. On va pas se plaindre, j'ai de belles infrastructures, c'est l'occasion d'en profiter. D'ailleurs, allez les gars, à cheval! Bon, j'espère ne pas croiser les gendarmes. Léa! Quoi? T'as fait ton attestation? Mais j'en ai une collection dans mon téléphone, oui! Non! Poupon! J'aurais tellement aimé avoir 2 mois de vacances. Allez mon gars, aujourd'hui on se fait un petit 10 km. Tu vois là-bas, bah, c'est l'endroit où on va. Ouais, on n'a jamais couru. Et alors, c'est le confinement, c'est le bon moment pour commencer. Allô, ouais. Est-ce que j'ai acheté beaucoup de choses pendant le confinement? Non, non, franchement, j'étais archi raisonnable. Ça dépend en fait ce que t'entends par raisonnable. Bon bah voilà, comme je savais pas quel tapis lui mettre parmi tous ceux que j'ai achetés pendant le confinement, bah j'ai décidé de tout simplement tous lui mettre en fait. Allô, ouais. Réviser la théorie pour passer le galop 3 pendant les stages cet été. Ok, allez, je me motive, je vais faire des QCM. Allô, ouais, du coup je te rappelle par rapport à la théorie du galop 3 qu'on voulait passer. Bah en fait, il s'avère que j'en suis au galop 7 maintenant. Du coup, je me disais, peut-être qu'on peut même carrément passer le BPJEPS. Hey yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on va du coup faire le petit unboxing spécial confinement puisque j'ai reçu 36 colis de mes 70 partenaires. Donc on va ouvrir tout ça tout de suite.